Salut donc, c'est bienvenue à We Happy Few. Comme j'ai déjà dit, la dernière fois ça laguait beaucoup. En fait, je l'avais dit en commentaire, donc si vous ne saviez pas, ça laguait beaucoup. En fait, c'était assez visible. Et aussi, il y avait du monde qui se demandait qu'est-ce qui se passe lorsqu'on décide de prendre la pilule au début. Donc, j'avais promis que j'allais, dans le fond, essayer cette option-là, vu qu'on n'était pas ben ben loin dans le jeu. Ça me dérangeait pas de recommencer. Donc là, vous pouvez voir quand même, c'est pas mal plus lag-free que la dernière fois. Et on va prendre la pilule, on va voir ce qui se passe. Ça va être la première fois aussi que moi je vois ça. Je veux dire, à chaque fois qu'on voit des YouTubers qui jouent à ce jeu-là, incluant moi, on prend pas la pilule parce qu'on sait c'est ça qu'il faut faire dans le jeu. Mais j'ai jamais vu officiellement qu'est-ce qu'il faut pas faire dans le jeu. Je sais pas si vous me comprenez. En tout cas, fait qu'on va prendre la pilule. Boom! Alright. Je pense. V. Prendre Joy. Ben, prendre la Joy. Oh! Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Rien de spécial dans le fond à date, là. Il le blackout! Hey, j'ai fini le jeu! C'est de même que tu finis le jeu. Je veux dire, en ce moment, tout n'est pas sorti, mais tu peux finir le jeu! Tu dois juste prendre ta Joy. C'est fun, hein? Le reste, ça va juste être nous autres qui check les crédits de tout le monde. Il y a Tito, man. Tito Belgrave. Sarah Hamilton. Alright, on va se refaire ça, je te shot là. Mais on va prendre, on va se souvenir et on va starter du début. Je vais vous cote ça jusqu'à la fin, mais je vais juste expliquer où c'est qu'on s'en va dans quelques secondes. Dans le fond, je vais recommencer, je vais me rendre jusque dans le fond après tout le scénario du début. Après ça, tu sais, je vais avoir déjà commencé un peu, puis on va embarquer pour essayer d'arriver à sortir de la ville ou essayer de faire des quêtes parce que la dernière fois j'étais trop noob et j'ai joué on the side pour mieux comprendre. En même temps, je me suis tué, donc c'est pour ça que ça me dérangeait vraiment pas de recommencer puisque de toute façon j'avais perdu ma game parce que c'est un mode hardcore, donc si tu meurs c'est fini, t'es done. Fait que mon bonhomme était mort anyways, fait que c'est pas grave, fait que c'est ça. Bon, donc on vient de sortir de toute l'histoire du début, fait que là on peut commencer officiellement un peu dans la ville, et ça commence que dans le fond, il y a déjà un dude qui veut de l'eau. Fait qu'on va lui donner de l'eau. Pourquoi pas? Puis il m'a donné un canard en plastique. Ok, cool! Lui, il veut de l'eau purifiée. J'en ai-tu? Non, j'en ai pas. Ok. Fait que dans le fond, le but, ça va être d'explorer encore la map. Puis de s'assurer qu'on meurt pas parce qu'on fait les caves, parce que c'est comme ça que je suis mort la dernière fois. Et ouais, ben c'est ça, faire les quêtes, s'échapper de la petite place de début, puis voir à quel point comme il y a eu des changements déjà dans le jeu depuis que j'ai joué la dernière fois. Dont dès le départ, il y avait normalement une quest avec Mrs. Stokes qui est morte. Puis c'était pas là ce shot-là. Je sais pas si c'est parce que j'ai été mardeux ou whatever la première fois, mais là je l'ai plus. Bon, donc on arrive déjà à un pont. Lui veut une pilule. There you go, man. There you go. J'ai reçu un morceau de métal. Yay! Ok, fuck. Eux autres veulent du miel. Fait qu'on va essayer de trouver du miel. En fait, c'est comme ça justement je suis mort la dernière fois que j'ai joué, puis ça c'était pas sur caméra, fait que vous ne le savez pas, mais je suis mort parce que je suis allé dans la place d'abeilles, une ruche d'abeilles, puis je suis allé là en pensant que j'allais être super fin puis attaquer les abeilles, mais non, c'est les abeilles qui ont gagné. Bon, donc on a un truc qui est écrit Do not steal. Fait que ça c'est écrit ne pas voler. Donc, on va voler, voir ce qui se passe. Fait que là, il y a...
Wow. Mange mon bat. Ow. Ow. Ow, ow! What the fudge? What the fudge? Wouh, on se calme! Yo, on a lancé des rushs, ça, c'est légal? Oh, tiens, mange mon... Bon! Boom! Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bon, fait que... On a plein de bouffe maintenant. Ça, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Y a de quoi qui... Le coffre est verrouillé. Ah, ok. Ben ça, on peut... pogner un outil de crochetage. Boom! Et là, crocheter l'outil... Le coffre. Et regardez ce qu'on a dedans. Fait qu'on a déjà fait une quest, je veux dire. Ben, en tout cas, de ce que je peux voir en haut, là. Ça m'avait donné une quest pour venir ici, pis tout. Fait que c'est pour ça que je suis venu ici. Fait que... Ouais! On est déjà mieux que la dernière fois. Il y a un autre bonhomme qui est mort, je sais pas où je l'ai mis. Il est quelque part. Il est quelque part? Quelque part! Ok. Fait que là... La porte est fermée. Là, peut-être en... Ouais, attends, on va voir si ça le monte si... Ah ouais, good! Peut-être on va avoir une meilleure vue aussi sur ce qui se passe. On va cacher notre arme. Ah, il est là! What's up, man? Je vais te fouiller, tu vas voir. Ok, t'avais une branche puis une pomme pourrite. Yay! Fait que là, côté vie, j'en ai quand même mangé une grosse claque. Ce serait peut-être une bonne idée de me healer. Fait que là, il y a des bombes de soins que tu peux prendre. Fait que tu double-click et voilà, on est good to go. Un canard. Ça fait... C'est un weapon! Un canard est un weapon, dude! What? Quand même. Fait que là, si on regarde, parce que là, j'ai encore besoin de... Pierre améliorée. Ça prend deux pierres pour avoir une pierre améliorée. Ok. Ouais, c'est ça que je veux. Moi, je veux ça. Puis ça prend juste des pétales. Ça, c'est parfait, man. Parfait. Attends, on va se auto-healer. C'est vraiment... Il faut qu'on survive, là. On doit survivre. Fait que là, on est full health. On a la moitié de durabilité sur cette arme-là. On a un pied de biche! Ding! Commence déjà super bien, dans le fond. Fait qu'il faut encore trouver des pétales. Parce que, normalement, je pensais que ça servait à rien, mais je pense que c'est des trucs rouges ici. Ouais, c'est ça. C'est ces trucs rouges-là, puis on a d'autres trucs ici. Puis c'est... Oh, attends, on a déjà une quest ou quelque chose dans la map. Ah, il y a ça. Ah, ok. Ça va être juste sûrement compléter la quest qu'on avait... Déjà vu auparavant, mais... Oh, on a Swift! On est passé de « j'ai pas Swift » à « j'ai super Swift ». Swift, tiens, prends de la bière. Oui, on est sous! Tabarnak, le gars, c'est... Il peut pas prendre une bière avant que... Genre, une bière, puis le dude, il peut plus conduire. Il peut plus rien faire, man. Il est... Ben, ça a duré 5 secondes, son high. Fait que c'est un peu plate, là, pour lui. Mais c'est bon pour nous, parce que sinon, j'aurais marché comme un acide perdu pendant un bon bout. Ça aurait été vraiment pas très cool. Fait que là, faut juste découvrir. Comme je dis tantôt, je découvre. T'es qui? Blasting Zone. Je crois que c'est une quest ou quelque chose, j'imagine. Ouais? Non? Y'a que peur que, tu sais, que ça m'éclate d'en face. Oh! Attends, quoi? Fouiller le coffre piégé. Ça sonne comme un piège, ça, tant qu'à moi. Je sais pas pour vous autres, hein? Il est vide. Coffre piégé. Éteindre la radio. Ta gueule. Comment que... Ok, je crois que faut que je regarde les crafts. Voir s'il y a pas de quoi que je pourrais faire, comme... Ben, je vais en créer un au cas où que je peux le faire avec ça. Non, ok. Ok, ben, on va essayer de voir ce que ça donne. En espérant que ça explose pas, tu sais. Oh my god. Yo, le stress. Moi, je me recule un peu. Je suis full health. Fait qu'au pire, si ça explose, je devrais être good. Ok. Bon, fait que j'en ai eu un sur... Hey! Y'a un dude! Deux bras! Pour toi! Ok, il y avait une pilule. Fait que là, j'ai soif et j'ai mal. Ça va bien, ça va bien.
Fait que là, faut que je bois. Ah, faim et soif. J'ai pas encore faim, mais j'ai soif. Il me semble que j'avais des gourdes. Ah, je les ai pas remplies tantôt. Pauvre con. Pauvre con. Oh my god. Bon. Ok. Puis, dans le fond, j'ai vraiment besoin de me donner un peu de health. Juste parce que, ben, on a vu ce que ça donne, ces espèces d'explosions-là de merde. Health. There you go. J'ai vu aussi, il y a souvent des espèces de puits d'eau un peu partout. Pour vrai, je sais pas si je devrais continuer à ouvrir ces trucs-là. Ils sont dangereux un petit peu. You know? Ah, mais c'est une quest! Mais c'est une quest! J'ai pas le choix! Mais first, je vais aller chercher de l'eau qui est juste à côté. Il y a un dude qui vomit! Dude, don't vomit! Oh, il y a de l'alcool! Tiens, on va ramasser l'alcool et on va parler à ce dude-là qui vomit. Yo, dude, ça va-tu? So are they all honorable men? Dude, bruh! Well, awful. You wouldn't happen to have a purple on you, would you, mate? Il veut une pilule d'anti-vomi. There you go. Some of There you go, them bro. have medical supplies all around here. Faut que je nettoie l'étang. Wow, whatever the fudge! Plein de rouge, c'est pas bon du rouge! Non, 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 ok! Attends, je reviens tantôt. Faut que j'aille boire parce que sinon tu vas me tuer. En fait, ça se peut que ce que tu me donnes soit pas si nécessaire. Ah, il y en a un qui descend vite, là. Genre, si vous regardez, il y a le petit cercle rouge en haut à gauche. Et il diminue. Ah, je suis à côté de l'eau. You. Ah, il y a une poubelle à fouiller. Ok, cool. Boum, on boit de l'eau et V, on remplit notre gourde d'eau. Croyez-moi que ça va valoir la peine tantôt. Fait que là, on est good, c'est juste notre health qui est de la merde. Ici, on regarde les statuts qu'il nous a donné. Vous saignez! Qui cause du dommage overtime. Yay! Ok, ben, pour le saignement, moi, je peux faire un pansement qui demande un ruban adhésif. Merde. Mais peut-être j'en ai un straight up sans rien. Pansement! Boum! Et là, je devrais plus saigner. Et là, je devrais plus avoir mon autre problème qui va. Ok, on va être good! On va être good! On va survivre! Puis là, en espérant que, genre, j'arrive à tout nettoyer sans me faire chier. Ok, une capsule d'énergie. Come on, go, 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 Power Rangers! On niaise plus! On niaise plus! On va vider cet étang, mec! Tu n'auras plus de problème! Oh, yes! Yes! Mais là, j'imagine que tu me donnes de quoi, je vais être dans la merde, puisque j'ai de l'espace! I'm good, dude! Donne-moi de quoi! Vous avez faim, merde! Ok, fait que. Il me donne une map, puis il faut que je trouve un trésor, puis il faut que j'aille le déterrer. Cool, bro, mais t'as-tu une John Pell? Pell? Merde. Sinon, faut que j'en trouve une quelque part d'autre, c'est ça que tu me dis? Hein? Bon, c'est pas grave. Fait que ça, c'est nice. On a une map vers quelque chose d'autre qui va nous donner de quoi très spécifique, trésor, chose. C'était des mots, hein? Ouais. Ils font pas de sens ensemble, mais c'est correct. Oh merde! Je viens d'en rentrer dans le territoire du dude qui lance genre, c'est dégueulasse des pierres, man. Parce qu'il lançait comme un espèce de dieu, là. T'étais à l'autre bout du monde, mais comme. Quoi? Il te lance ça. Boom! Headshot! No scope! Ok, oui. J'ai déjà eu ça. Puis, faut pas que tu passes à travers de ça, sinon ils sont fâchés. Puis ils veulent tout te tuer. Fait que. Quand on va voir un piège. C'était quoi? Je sais même plus. C'est quoi? Un outil à piège intelligent. Parce qu'il y en a qui sont caves, apparemment. Hey, check, on peut ouvrir! Yay! On va refermer derrière nous. Question que ça. Attends, t'as-tu quoi ici? Ah non. Je me sens trop Skyrim, qui est des trucs à loot juste partout. Déjà qu'il y en a pas mal dans ce jeu-là, genre, no joke. Comme pour un jeu qui était pas encore totalement fini, puis. Ben là, il commence de plus en plus à être fini, j'imagine. J'ai pas checké sur le développement de ce qui se passe avec ce jeu. Je m'étais dit que. Je vais quand même y jouer no matter what, fait que c'est ce que je fais, tu sais. Mais
Je sais pas, j'imagine qu'il doit avoir peut-être sorti le chapitre 2. Parce qu'il disait dans le fond au début qu'il avait juste sorti chapitre 1 et. It's actually sort of pretty at night, in a fatal sort of way. Dude, y'a quelqu'un qui meurt! Et c'est. Wow! J'ai ramassé un truc binouche. Ouais, le dude qui était ici, il a vécu longtemps. Ok. Rip lui. Oh! Oh, du ruban adhésif! On a trouvé du. Oh my god! Ça a-tu déverrouillé des trucs, vous pensez? Ah merde, on a une ampoule, une bouteille de bière, une bouteille en verre et une plume. Ok. Si je regarde ça, il y a des trucs là-dedans que je sais que je pourrais déposer tantôt. Mais pour l'instant, je pense que je vais juste revenir parce que la maison est quand même très proche. On est direct à côté. En fait, c'est ça, vous voyez, on est ici. Et, je vais prendre. Oh! What's up, dude? Bon. Je vais prendre l'eau parce que là, j'ai soif. There you go. On va se coucher. Puis on va aller vider notre inventaire. Essayer d'avoir plus. Pour vrai, il faudrait qu'on trouve. D'ailleurs, bon, faudrait. Vous voyez ici, j'ai jamais fini une phrase. Vous voyez aussi. Vous voyez ici, on peut pas passer. Mrs. Stokes n'est pas là. Qu'est-ce qui fait plus de dommages en dessous? Ça, c'est quand même un 2 damage. Quand même. Ça, c'est toujours bon d'avoir sur soi de l'alcool. Ça aussi et ça aussi. Bon. Fait qu'on s'est fait pas mal plus d'espace. Si on regarde aussi le crafting, on a le piège intelligent qui demande 3 pièces mécaniques, un morceau et un ruban adhésif qu'on peut avoir. On a le piège, l'outil pour les pièges brillants. Cool. Un bouquet joli. Ça sert vraiment à rien dans le fond. Un kit de réparation de pompe. C'est spécifique as fuck. Et les infiltrer. Ok. Pour marcher silencieusement comme un chat. Cool. Sinon, si on check ça, on a un double heurtoir qui demande du ruban adhésif. On a le hachoir amélioré avec deux pierres. D'où on fait ça live. Boom! Mon truc fait ça deux damage. Je fais combien maintenant? C'est quoi cette amélioration-là de. Ça, man! What the fudge? J'ai déjà vu des trucs qui étaient mieux que ça. Anyways. Fait que là, on a besoin de doudou. Fait qu'on va dormir pour 6 heures. Même que. Tiens, garde-toi, man. Une heure de plus, man. Je suis généreux de même. Ça regen notre vie. Ça, c'est super bon. Fait que dans le fond, tu sais, on n'est pas obligé tout le temps d'essayer de soigner quand que on dort, on est good, tu sais. Donc, si on regarde ça, pour qu'on avance, il faut vraiment que j'essaie de checker. Premièrement, il faut que j'aille checker c'est quoi la quête qui est demandée pour s'échapper officiellement. Parce que dans le fond, chaque quête est différente. Et dans notre cas, la dernière fois, je crois qu'il fallait qu'on découvre c'est qui a gagné, genre un bingo ou quelque chose. C'était n'importe quoi, je me souviens trop plus. Et celle-là, j'ai l'impression c'est un peu différent, mais je pourrais me tromper. Pont de Joy. Ok. Fac. Faut que j'aille une capsule d'énergie actif. Ben, activée. On peut fouiller le casier. On va fouiller le casier grâce à un petit. Non, pas un bâton pointu, un crochetage. Ok, go go! Oh non, je suis rouge, ils peuvent me voir. Ok, cool. D'extension de poche! C'est ça que je veux? Ah, ok, ça donne juste plus d'espace ici. Ouais, vraiment ça que je voulais. Non. Fait que j'ai plus de poches sur mes pantalons. Le dude, il va finir avec des pantalons cargo, man. Il est rendu avec 4 poches! Ah, je suis tout étonné, mais normalement, nos pantalons, nos jeans standard, t'as deux poches en avant puis deux poches en arrière, là. Fait que je sais pas si spécial, là, finalement. Je capote pour rien. Fait que aussi, je voulais vous dire, dans le fond, pour le monde qui
comprennent pas pourquoi toute la place a de l'air décollissée comme ça. Et j'avais des doutes la dernière fois que je jouais. Mais là, c'est officiel. Il y a eu un bombardement quelconque et c'est ça. Depuis ce temps-là, tout le monde est sur la Joy ou est dans la ville toute détruite. Ça, c'est ceux qui ont pas pris leur Joy. Et ben, dans le fond, on ne sait pas pourquoi encore. Ben, peut-être on peut le savoir, mais en ce moment, moi, je ne sais pas pourquoi. Fait que c'est ça. Trouver une autre petite maison? Troqué. Ben non, je veux juste te parler, man. Welcome to the Special Operations Executive. You're the new agent, aren't you? On est le CIA! Great. Here are the other agents. This is Charlie Croker, Jack Carter, Gonville Bromhead. Mec, c'est des poupées! Tu joues la CIA avec des Barbies! Comment tu te sens? Hein? You have to rescue him. Oh non, Barbie number 2 est kidnappé? Je suis number 2 parce que j'imagine avoir là. Ok, il faut que j'aille sauver Peachy. Vous avez soif. Merde, j'ai donc bien soif non-stop! J'ai bu de l'alcool. J'avoue que de l'alcool, par contre, en vraie vie, ça déshydrate pas super bien. Hein? Pour ceux qui s'y connaissent. Je sais pas que peut-être... Bon, en fait, ça va faire les deux. Yes, there you go. On est good to go. Fait on va essayer de trouver la maison de poupée qu'on avait vue dans le dernier épisode il y a très longtemps. Mais tout change, fait que c'est peut-être plus ici. C'est ce qui est fun quand même, c'est que tu sais, c'est pas toute la même affaire tout le temps. Même si ça recommence du début, ça se peut que t'aies zéro la même chose. Oh! Je sais c'est quoi ça. Je sais c'est quoi. C'est les abeilles. Dans le fond, c'est ça qu'on a besoin pour avoir... ben tu vois, c'est ce que j'ai pas fait dans le fond tantôt là. La première fois que je suis venu ici, on a besoin du miel pour sortir de ça. Puis il faut que tu ailles un B-suit. Mais un B-suit... Tu voulais une pomme. Moi aussi je veux une pomme. Yo mec! Ça va-tu, bro? Une branche! Yeah! J'avais besoin d'une branche. Bon, fait que le suit, si je me trompe pas, c'est pas un suit super intense, là. Les abeilles. Il faut qu'on s'équipe d'un costume rembourré. Ok? Puis j'ai vu que ça se construit. Costume rembourré, il faut 3 cloth scrap. Faisable. Et 2 kits de couture. Ah, on a notre monsieur qui veut courir puis qu'il faut qu'on aille tuer, probablement. Les jambes folles. Wouh! Go, mec, go! On va pas te suivre. Ah, on a une maison spéciale quelque part ici. Parce que c'est écrit maison en ruine. Normalement, ce genre de maison-là, c'est ça, ils ont soit des pièges ou des trucs assez cool quand tu rentres dedans, comme des coffres ou whatever. Fait que ça pourrait être cool d'y accéder et mener. Par contre, pour le monsieur qui court super vite, je sais qu'on est capable de juste le frapper avec une pelle ou quelque chose, puis ça va le tuer. Ben, ça va le knocker, puis après ça, on peut le tuer. Mais pour l'instant, man, je vais le laisser vivre. Ça a l'air d'une autre quest. Messieurs, explorer les jardins. Boom, j'ai exploré, man. Oh, pauvre dude! Yo, tu le regardes! Fouiller la caisse. Yay! Wow! Wow, what the lulz! What the lulz! On scanne. On respire. Boom! Oh merde, je suis contre deux personnes. Oh merde, j'aurais dû changer à mon autre weapon. Oh merde, que j'aurais dû... Oh man, fallait juste les... Oh, fallait pas le tuer. Oh, pis ça sauve... Ça se pose pas. Yeah. Ok, mange mes points. Yeah. Tiens, mange... There you go, man. Fait que j'ai perdu une quest à cause que j'ai décidé d'assassiner un mec. Oups. My bad, I guess. Mais j'ai une pomme! Dude, moi, je peux te donner une pilule, man. Tu vas être bien heureux avec ta pilule. Tu vomiras plus. Some decent food in this crate of ours, but we haven't been able to get it open. If you just pry it open for us, you can have one thing from it. Any one thing, that fair?
and you can take all these rotten vegetables we dug up that are no use to us. Ok, cool. J'ai le droit à un. Take any one thing. Don't be greedy, alright? Thanks. Not often you see people behave decently to one another. Je pourrais en prendre deux, mec. Mais là, tu serais mad. Mais admettons que je vais dans ton dos, pis... Hiya! Hiya! Mange! Mange mes coups de hache. Chacun pour soi! Bon. Oh, un hache-wall, dude! T'avais... Oh my god, tu allais me tuer, mec! T'avais un hache-wall. Un hache-wall. Man, toi, t'étais fait fort en plus. Bon, fait que là, j'ai plein de pain. Oh, j'ai une pelle. Une pelle! Fait que une pelle. Voler. Inventaire plein. Crime, c'est comme en gros une pelle. Merde. Faut que je décide qu'est-ce que je débarque. Ah, oh, mais malgré que je pense que j'ai le droit d'équiper des trucs. Ouais, puis là, j'ai des grosses poches. Fait que. Je peux vraiment mettre n'importe quoi du dien. There you go. Ok, fait que là, on s'est ramassé un petit peu plus d'inventaire. En espérant que... ouais, que c'était assez, mais je suis pas tant sûr. Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Une pelle! Yeah! Ok, là, je suis rendu que j'ai faim. Sauf que l'affaire, c'est que si tu manges des trucs pourris en passant... Puis là, on va en manger un, parce que des fois, t'es chanceux, ok? Pis t'as pas... Fuck, là j'ai la nausée. Fait que là, je vais vomir. Pis à cause que je vais vomir, je vais avoir soif. Et... Wow, j'ai pas demandé rien de ça. Le dude, il s'est tué tout seul, ok? Non. Non, j'ai déjà de la misère à voir, en plus. Non. On s'entend pas. Vous avez rien compris, c'est un mésentendu. C'est chill? Chill? Why won't you go away? T'es-tu mad? Non, t'es pas mad! C'est correct, ça! Good! Ok, là, on peut... J'ai comme skip de quoi que je pense qu'il était une autre quest. Mais il faut vraiment que je vous avais soif. Merde! Ouais, il y a comme cette espèce de truc-là avec plein de papillons, man. C'est tout cute. Je suis désolé, cette vidéo-là va sûrement être plus longue que la normale, mais... Oh! On peut lui donner une pomme. There you go, mange une pomme, mec! J'ai donné une pomme, puis il m'a rien donné en échange. Faut qu'on aille le tuer. Non, je vais pas le tuer pour vrai, mais... C'est n'importe quoi. Fait que là, commande de l'eau. Genre, j'en ai besoin, parce que là, ça commence à... Hey, une petite voiture. Hey, une voiture! Boom! Oh! Une maison ouverte. Ça, c'est bon, ça. C'est justement dans les maisons qu'on peut plus souvent trouver des trucs qui sont intéressantes. Mon inventaire est trop plein. Merde! Qu'est-ce que je posais de faire? Ok, fait que là, moi, j'ai plus de problème de ça. Ça, c'était... Quoi? Premier mariage. What the lulz? C'est quoi? Quoi? Qu'est-ce qui m'empêche de marcher live? Oh boy, fallait que je... Vous voyez le gros jump qu'il fallait que je fasse? J'étais plus haut que ça, mais il fallait que je saute. Ça, là, ouh! Chance, c'est quoi? Ah, ok, c'était ça. Premier mariage, dang, ok. On n'a pas les mêmes mariages. Bah, qu'est-ce que... Oh non, ça c'est le dude qui lance des roches. C'est le dude qui lance des roches! Man, qu'il faut que je le tue à un moment donné, lui. Ça va tellement régler notre problème. Je vais lui présenter mon hachoir d'en face. Donc, je me suis couché, il fallait que je mange, puis j'ai mangé une pomme pourrite. Faut que j'éclaire ces trucs-là pour que, dans le fond, j'aille... plus d'espace pour, ben, que j'aille de la meilleure bouffe pour plus tard, tu sais. Puis, c'est weird, mais ça, c'est à côté de la maison. Super cool. Mais, je suis jamais allé. Oh! Oh my god, je peux voler du cash.
King of the world! King de la fontaine! Dunce de la fontaine! C'est ça. C'était l'hierarchie, man, de tout ce qui se passe. Là, il y a comme une espèce d'étoile qui me dit pas exactement qu'est-ce que ça fait dans la vie. Fait que je vais aller le visiter, voir. Peut-être c'est... il y avait dit, justement, quand j'ai fait une des quests, qu'il y avait mis... Ah non, mais là, Colin, tu vas-tu arrêter d'avoir la nausée, là? C'est fini, là. C'est fini, OK? Que, c'est ça, il y avait mis de quoi dans la map. Puis je me demande si c'est ça ici. Peut-être pas. Mais là, j'ai vu que je pouvais rentrer. Puis que je peux enlever les trucs de bois ici, en arrière. Je vais faire ça ici. Pour que j'ai de l'air moins... OK, puis ben j'en ai une, man. J'en ai legit une. Non, je l'ai laissé dans mon inventaire là-bas. Merde. OK. Je vais aller chercher un autre mené. C'est quoi cette maison-là? OK. Danger! Mine! OK. Merde, il me faut encore mon pied de bêche! Ah, mais je peux t'ouvrir cette porte-là, là? Non, je peux pas. Ok, fine. Bah, de toute façon, c'est pas super invitant quand ta maison est écrit danger mine, tu sais. C'est pas comme, je sais pas, moi, je sais pas, danger fleur, sur le plancher. Puis là, ben, tu fais comme, ok, wow, on se calme, tu sais. Oh! Y a un truc, endroit où creuser. Crois-moi que je vais creuser là, mec. Ah, check, il y a un truc là. Ah, c'était où ce qu'on était au début, je pense. Je crois. Endroit où creuser. Ouais, mais il est où ton endroit? Ah, es-tu dans la mine? Genre, ça, c'est super joyeux, c'est là. Ah, ouais. Ah, oui, cool. J'ai un endroit où creuser où il y a des mines. Ça sonne juste comme ça va m'exploser le visage quand je vais décider de t'y comme. What the fuck? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, legit, man? Tiens. Ben là, je sais que je t'ai fait. Mais tantôt, man, je comprends rien. Tu voulais juste ma mort pour... Fuck all, man. Oh. Une maison carrément ouverte. Puis je suis en train de voler devant un dude, puis y'en a rien à foutre. Parfait. Ça continue à pleurer. Moi, juste à être content. Je suis vraiment méchant, hein, quand même. Oh, vêtements déchirés, j'en ai vraiment pas de besoin. Déchirés deux fois, non. J'en ai vraiment pas de besoin deux vêtements déchirés. Vêtements rembourrés, là, je serais down. Ah, ça, on commence à être popé. Tout, on peut jouer! Chut! Une toilette. Yay. Alright, on continue à fouiller partout. On peut y parler si ça nous tente, mais c'est pas tout à fait ça que j'ai... On veut pas dormir chez quelqu'un, quand même. Oh, y'a un... Oh shit! Ok, ben, ce quelqu'un est à moi maintenant, parce que je veux juste toutes les tuer. Approche-toi. Boom! 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 Wow! J'ai une vie! Oh, there you go. Approche-toi, mec. Hein, t'as peur, hein? Boom! 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 There you go! Alright! Ok, ben là, j'ai aucun problème à juste les fouiller. Maintenant, il devrait plus... une branche. On s'en fout de la branche, là. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Dang! Ok, ça c'est bon aussi. Une pilule... J'ai-tu un kit à date? Je sais même pas. J'ai une pilule de joie! Qu'est-ce que ça fait quand je la prends? That feels entirely too good. What the fuck, je marche tout heureux! C'est toute la... What the fudge? What? Double rainbow! What? Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais pas... Tantôt, quand j'ai pris la pilule de joie, ça a fini le jeu.
Là, je l'ai pris, puis la vie est juste trop heureux, apparemment. Chut, puis en plus, je trouve plein de trucs sur la Joy, puis ça. Oh, je peux avoir un bat de cricket. Ça serait quand même cool. Mais j'imagine, il doit prendre de l'espace, en fait. Je viens de voir que j'avais de l'espace en deux de haut, puis il demande plus que ça. Oh, dang, mais ça fait du damage, mesdames et messieurs. Chut. Huh. Je suis en train de te voler, man. Wow! Je disais que je n'étais pas en train de te voler, tu sais. Je pense que t'as pas compris. Je suis sur la joie, je vole personne, moi, quand je suis sur la... Oh! J'ai plus de vie! J'ai plus de vie! Non, mais tu m'as tout enlevé ma vie. Ah, mais tantôt, par contre, peut-être que je t'allais intense un peu tantôt. Bon, fait que, commençons par se pogner de la vie. Bombe de soins, ça devrait être pas pire. Encore une shot. Go go. What? Pourquoi? Retour de Joy. Non! J'ai soif pis faim plus vite! Merde, j'aurais vraiment pas dû faire ça finalement. Ok, ben there you go. Pis faim, on va repogner une pomme en espérant que je mange pas de la marde. Good job. Kit de suture SVP. Je le demande très gentiment, je crois. Je crois. Une pierre, yeah, puis du cash, ça c'est cool. Du ruban adhésif, ça c'est super bon. J'ai pogné de quoi, puis j'ai cliqué trop vite, fait que j'ai rien vu ce que j'ai pogné. Ok, ben écoute, si je neutralise dude-là live, boom! Puis là, je peux tuer l'autre fille one shot, right? On va passer notre nose in mine. There you go. Ok. Kit de suture. Pomme pour être. Ok, fine. Kit de suture. Ah, oh, du ragoût, man. Legit ragoût. On va mettre une pilule. Une pilule. Une capsule d'énergie vide. J'en ai quand même plein. Je sais qu'il nous en faut au moins un tantôt pour traverser. Mais vu que j'en ai déjà, je m'en fous un peu, hein. C'est pas nécessaire d'en avoir 1 million. Pilule de joy, oh boy, on peut retomber là-dedans. On n'a pas besoin de la pilule de joy. Puis, champignon, non plus. Même que je veux avoir une augmentation d'inventaire. Ah, j'ai d'autres extensions de poche! Merde, faut vraiment que je réussisse à pogner ça. Bon, check. Là, tu vas être fat. Tu vas être mad. Ouais, tu vas être. Wow! 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 Dude, Asti il niaise pas quand il décide de t'attaquer. Yeah! Bon, ok. Fait que là, toi, tu t'assois pis tu lis. C'est parfait de même. Et là. Là, il y a encore du monde qui sont mad, je pense. Je sais pas. J'ai entendu du monde qui était fâché. Fait que là, si j'enlève ça, je pogne ça. J'enlève ça, puis je pogne ça. Oh, non, ça c'est correct. Non, lâche-moi! Oh, what? Ah, c'est. Ça fait pousser le monde. Ok. Fait que là, kit d'extension de poche, j'ai maintenant 5 poches. Fait que ça, c'est cool. Fait que là, on peut pogner le ruban adhésif. On peut pogner ça, mais il nous manque de l'espace pour des. Ah, il nous manque de l'espace pour. Qu'est-ce qui manque de l'espace pour? Pour. Non, je veux les morceaux de métal! Je m'en fous des pilules! Yeah! Morceaux de métal. Pas spé, pas spé. J'avoue que j'ai des bouteilles qui sont legit à focal que je pourrais vider. Fait qu'on va les vider ici. Des bouteilles en verre, là, ça fait du damage, puis c'est tout, là, mais. On s'en fout un peu. Le monde ne sont pas exactement super équipés pour essayer de nous tuer. Ok, toi, il faut que j'arrive à te neutraliser. Je sais pas comment je vais faire. Si je marche comme ça. Tu me vois pas. Boum! 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 Ok, tu me frappes, c'est bon. On va continuer ça avec une bataille plus. There you go. Yay! Mon arme est brisée! Il va falloir que j'en prenne un autre.
Non, avant que je fasse n'importe quoi comme un cave, je vais équiper. Oh, je vais équiper ça. Oui, monsieur. Ça va être fort. Puis là, j'ai en plus une gourde d'eau et j'ai faim. Bon, écoute, j'avais quasiment hâte que j'aille faim. D'autres pommes pourrites. I feel terrible. Ça, si jamais je t'intoxifie, je peux prendre ça. Juste des vomissements, c'est vraiment pas la fin du monde, mais tu peux être plus gravement atteint que ça. Puis là, je suis fatigué apparemment. Merde. Bon, donc, ça va être tout pour cet épisode-ci. On a quand même fait 4 jours, on a fait quelques quests, on a ramassé quand même des trucs, on a tué bien du monde, là, versus le premier épisode, je tuais personne parce que j'avais peur, mais... Officiellement, on s'en fout. fait que j'espère que vous avez aimé. Pèsez le bouton like. Subscribez à notre channel pour plus de contenu comme celle-là. Laissez-moi savoir si vous voulez que je continue à faire ça. Essayez de sortir de où c'est qu'on est. Fait que sinon, on se voit au prochain vidéo. Bye bye!